Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice d'étirement, un exercice pour étirer en douceur la chaîne postérieure. Cela va permettre de soulager un peu les maux de dos ou de retrouver une bonne souplesse après un effort sportif ou un effort quotidien. Mais avant, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement en vidéo pour améliorer ou entretenir votre mobilité. Voici donc un bon exercice pour étirer toute la chaîne postérieure. Pour cet exercice, vous aurez besoin d'un élastique. D'un élastique, bien sûr, de votre tapis. Vous allez venir passer l'élastique dans le dos. Hop, vous attrapez le bout de l'élastique ici, main droite. Et vous allez passer ce bout-là dans le pied gauche. Vous passez bien l'élastique dans le dos et vous le montez le plus haut possible puisque l'élastique doit passer au niveau des aisselles. Vous attrapez l'autre bout et vous le passez autour du pied droit, comme ceci. Hop. Donc on se retrouve avec l'élastique croisé devant et à peu près donc bien l'élastique passant sous les aisselles. À partir de là, on va descendre doucement sur le dos. Donc vous tendez un petit peu l'élastique, on gagne, on vient se placer sur les mains et sur les coudes. On se retrouve avec les jambes fléchies. On tend un petit peu l'élastique. On va soulever la poitrine. Donc vous allez prendre appui sur les coudes et bomber le torse. On garde les talons collés ensemble. Les orteils peuvent être éloignés l'un de l'autre. On inspire. Sur l'expiration, vous allez simplement allonger vos jambes. Vous pouvez essayer de les tendre. D'accord ? C'est pas grave si vous ne les tendez pas au début. On inspire. Et expire, je pousse. J'essaye d'allonger les jambes. En même temps, sortez la poitrine et allongez votre colonne. On inspire. On fléchit et expire, on souffle, on pousse, on garde les talons collés, hop, toujours les gros orteils éloignés l'un de l'autre, une dernière fois, et expire, on souffle, on allonge, on inspire, bombez le torse, et expire, on essaie de pousser les talons un tout petit peu plus vers l'avant et chercher à allonger la colonne, on inspire. Là, on relâche un peu la pression, on se détend, et expire, on pousse. On essaie de pousser les talons un peu plus loin, de sortir la poitrine, on bombe le torse, inspire, expire. Même chose, on essaie de tendre un petit peu plus les jambes, d'allonger la colonne, on inspire, et expire. Une dernière fois, on souffle. Parfait. Venez doucement vous mettre le dos au sol, on fléchit hop, les jambes, vous pouvez écarter l'élastique pour amener les genoux vers la poitrine, hop, on s'allonge un petit instant, vérifiez que le menton est rentré, et on souffle, on va se faire ça une deuxième fois, alors en option, sur un niveau un petit peu plus difficile, vous pouvez faire la même chose, donc le même exercice, mais en étant allongé sur le dos et en allongeant les jambes. D'accord, ça va dépendre de votre souplesse. Sinon, hop, vous revenez en appui sur les coudes, vous tendez un peu l'élastique, vous venez vous remettre sur les coudes. Donc soit en appui sur les coudes, soit le dos au sol. Si vous avez le dos au sol, faites attention à bien amener le menton toujours vers la poitrine. Si vous n'y arrivez pas, vous placez une serviette sur la partie haute de la tête pour pouvoir garder le menton vers la poitrine. On inspire et on expire, on pousse, on allonge les jambes. On sent la poitrine, cherchez à vous grandir. Inspire. Et expire, souffle. C'est ça. Bombez le torse, allongez la colonne. Inspire. Expire. On a toujours les talons collés ensemble. On souffle. Une dernière fois, inspire, on fléchit. Et expire, on pousse. Parfait. On y reste. On inspire. On est détendu sur l'inspire. Expire, on accentue un petit peu plus l'allongement au niveau des jambes. On cherche toujours à sortir la poitrine. Si vous êtes le dos au sol, cherchez à vous grandir, allongez la colonne en gardant le menton rentré. Inspire. Expire, souffle. Allez, poussez les talons vers l'avant et vers le haut. Plus vers le haut hein, si vous êtes le dos au sol. Encore deux respirations, expire, cherchez toujours à bomber le torse, on souffle. Une dernière fois. Expire. Parfait.
On ramène doucement les genoux vers la poitrine. Hop, vous pouvez écarter les élastiques pour passer les genoux à l'intérieur. On souffle. Bien, à partir de là, vous pouvez enlever doucement hop, les élastiques. Alors, pivoter doucement sur le côté et redressez-vous. Parfait. Eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de cet exercice. Vous avez une zone de commentaires ci-dessous, donc dites-moi vraiment ce que vous avez pensé. Au passage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si eh bien, c'est un exercice qui vous a plu, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air. Je vous invite à vous rendre sur le site internet roulesurlaforme.fr. Vous y retrouverez eh bien, en vidéo différents programmes pour entretenir ou améliorer votre mobilité. En attendant, eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bien sûr. Ciao, ciao !